un vertige avant le saut dans le vide. Hein? Au début, tu vas penser que vous pouvez tout sauver. C'est Séverin. Séverin, il s'appelle Séverin. Si vous écoutez un petit peu la radio, cette chanson, ça ira, tu verras, une espèce comme ça de petit guide, du petit conseil pour la séparation facile. En fait, c'est un garçon qui dit à sa meilleure amie, je suis passé par là, tu vas voir, il lui fait en fait tous les épisodes clés en main et de la séparation. C'est la séparation pour les nuls. C'est très amusant, très très émouvant comme chanson. Ce garçon, il n'est pas un inconnu dans le métier. Il a composé des chansons pour Rose, il a composé et réalisé des albums pour Camélia Jordan. Dana, il a eu un groupe qui s'appelait les One Two, et puis là, il arrive avec son premier album de chansons, auteur-compositeur, il chante en français, ce qui n'était pas le cas avant, et c'est un premier album qui est en train de se faire remarquer, on l'entend pas mal à la radio, à tel point que les Francopholies de La Rochelle, vous savez, il y a des petites scènes aux Francopholies, des petites scènes quand même de 300 places, où on fait ses premières franco, et c'est toujours très très émouvant de voir un artiste arriver et se voir un petit peu comme ça, consacré aux Francopholies, pour, ce sont des représentations qui ont lieu l'après-midi, le soir ce sont les grandes scènes, on a vu Big Flo et Oli la semaine dernière, ouais. On a vu Ibrahim Malouf, là c'était l'après-midi, dans un petit théâtre, et Séverin, il a fait le plein. Il y avait 300 places, c'était bourré à craquer. C'est un vrai auteur-compositeur. Il remet au goût du jour la musique brésilienne. Ils sont rares, les auteurs-compositeurs, à avoir su mettre des mots en français sur des mélopées brésiliennes ou d'inspiration brésilienne. Il y a eu Pierre Barou, qui était là ce jour-là pour ses premières franco. Et puis Séverin, maintenant, qui s'inscrit dans cette grande tradition. Regardez, c'est vraiment, je pense, quelqu'un avec lequel il faudra compter. On y va. Séverin, après trois albums et différentes expériences d'auteur et producteur pour les autres, vous voilà au Franco en tant que chanteur. Qu'est-ce que ça fait d'être programmé dans un tel festival? C'est le festival de la francophonie quand même, donc avec toute une histoire d'artistes géniaux, donc c'est impressionnant et en même temps c'est un aboutissement un peu aussi de pouvoir chanter ces chansons-là ici. Aboutissement, et c'est que le début. J'espère aussi, oui, enfin un aboutissement d'un début. Tu t'en voudras d'avoir aimé pour mieux se déchirer, tu te diras que la mort, ça n'est rien à côté. Chanter des choses assez graves sur des mélodies ensoleillées, c'est une forme de politesse, de pudeur. Ça ira, tu verras. C'est ça, ouais, je pense. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert dans la musique brésilienne. Pouvoir dire des choses sérieuses, mais essayer de les envelopper dans quelque chose de moins triste, peut-être. Si tu veux réussir, trouve ta samba, faut te ressaisir. Oui, tu dois réagir. Vous parliez de musique brésilienne. Dans les articles de presse que j'ai pu lire, on vous compare souvent à Pierre Barou. Ça ne se contrôle pas. C'est quelqu'un qui fait partie de votre panthéon personnel? Avant d'être une personne, c'est surtout une chanson qu'il a écrite. Bonsoir. À partir d'un morceau brésilien de Vinicius de Moraes, qui s'appelait Samba Saraba. Qu'on voit son rythme et sa poésie à des siècles de danse. Et c'est le premier morceau en fait que j'ai entendu où il y avait du français sur cette musique brésilienne. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre, dans son cœur. Mon petit doigt m'a dit que Alain Souchon en personne vous avait appelé pour vous féliciter. Ça fait quoi? Il a la voix qu'on imagine. Hein. Non, mais c'est, évidemment, c'est une fierté. Il y a une famille chanson française en France et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, que je ne connaissais pas forcément, d'artistes pour me dire que bienvenue. Il y a ce vent qui court autour de la terre, qui fait tourner les têtes et voler des affaires. Les docteurs se mettent en arrêt, car ce courant d'air met les hommes à la mer. Qu'est-ce que ce début de succès a changé à votre vie? Les femmes qui se jettent sur vous? Bien sûr, mais ça existait déjà. Les vêtements qui volent. J'avais pas besoin de faire de la musique pour ça, vous comprenez? Ça me donne envie de faire d'autres disques, alors que au début du processus de ce disque-là, j'étais un peu tout seul à faire mes chansons et je me disais globalement que c'était ma dernière chance. «
Séverin, Séverin, adoubé par Pierre Barou. Il faut rappeler quand même qui est Pierre Barou au départ. Pierre Barou, c'est le génial auteur de plein de chansons à bicyclette sur une musique de Pierre Barou, toujours sur une musique de Pierre Barou, sur une musique de Francis Lay, toujours sur une musique de Francis Lay. C'est lui qui a écrit Les Chabadabada, qui ne sont pas que des Chabadabada, de magnifiques textes d'un homme et une femme. C'est lui qui a écrit les paroles de la Samba Sarava. C'est lui qui a à la fois été un véritable artiste flamboyant, qui a été un immense auteur et qui en même temps a toujours été absolument curieux du talent des autres. C'est-à-dire qu'il a aussi bien cultivé sa propre carrière qu'il a découvert Jacques Higelin, le premier à avoir fait faire un album à Jacques Higelin, et c'est lui. Morane, à l'époque où elle s'appelait encore Claude Morane, le premier enregistrement. Et c'est Pierre Barou, quelqu'un qui a toujours aussi tendu la main aux autres. Une espèce de fou génial, de poète absolument flamboyant. Donc s'il monte sur scène... S'il est venu voir Séverin, c'est qu'il a écouté le premier album. Mais Séverin, il le dit là dans l'interview, un certain Alain Souchon l'a appelé par maison de disque interposée. Il a reçu cet album et il a cru bon de l'appeler pour lui dire bienvenue dans la famille. Quand c'est Alain Souchon qui vous dit bienvenue dans la famille, il ne s'agit pas de n'importe quelle famille. Donc, et ça ne m'étonne pas. À l'écoute de l'album, cet album, allez l'écouter. Album autoproduit, c'est-à-dire que, il n'a trouvé personne pour le produire. Il a cassé sa tirelire, il a monté son propre label et c'est en train de marcher. Il est en train de réussir son pari. Salle Verdière, je vous disais, plus de 300 personnes à La Rochelle, une vraie première francopholie réussie. Et le Café de la Danse à Paris le 5 novembre. Le 5 novembre au Café de la Danse, en tournée un petit peu partout. Je crois qu'il est en première partie des Frérots de la Vega au mois de septembre aussi, le 16 août. Il est en première partie avec eux sur quelques dates. Et puis vraiment tout seul au Café de la Danse, on y sera. Voilà, et Séverin va pouvoir se racheter une grosse tirelire. Voilà, merci beaucoup Frédéric.